13h30 à Kinshasa, nous voici pour la grande édition de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président de la Commission de l'Union africaine étaient devant la presse au centre de congrès d'Istanbul pour faire le point du troisième sommet Turquie-Afrique qui s'est tenu du 17 au 18 décembre dans la capitale turque. On fait le point avec Pierre Kibambesson-Wissa. À l'issue des travaux du troisième sommet de partenariat Turquie-Afrique, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président des ICI de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki et le président turc Recep Tayyip Erdogan ont fait tour à tour le point de cette rencontre devant la presse réunie dans la grande salle du centre de congrès d'Istanbul. Le président en exercice de l'Union africaine a d'entrée de jeu salué l'engagement du président turc Recep Tayyip Erdogan pour le renforcement de la coopération entre les continents africains et la Turquie. Ce que nous avons fait aujourd'hui ne fait que cimenter, ne fait qu'accentuer cette relation que nous voulons encore plus solide, car l'Afrique a énormément de défis à relever. Nous en avons parlé. C'est principalement celui des infrastructures, car l'Afrique a un immense défi, celui de construire sa zone de libre-échange continentale, qui donc passe par une intégration continentale. Et pour cela, il faut des investissements colossaux dans la construction d'infrastructures telles que les routes, les ports, les aéroports et bien d'autres choses. L'Afrique a également d'autres défis, notamment celui de la santé. Aujourd'hui, on parle de la pandémie de Covid-19 qui ravage nos économies. Et donc, pour cela, nous devons renforcer nos systèmes de santé par la construction d'infrastructures sanitaires, mais également par la possibilité de rendre accessibles des soins de santé de qualité tous les Africains. Nous avons également le défi de rendre accessibles à l'eau et à l'électricité toutes nos populations. C'est un combat qui est difficile car il y a des zones arides en Afrique, mais pas impossible parce qu'il y a également des atouts et je crois que je suis bien placé pour en parler ici. En République démocratique du Congo, mon pays, nous avons une hydrologie importante qui pourrait nous aider évidemment à venir à bout de ces difficultés que connaissent certaines parties du continent. Et pour cela, nous avons besoin d'investissement, nous avons besoin d'expertise, nous avons besoin d'accompagnement. Et la Turquie se montre particulièrement intéressée et disponible en se mettant à nos côtés pour ensemble nous aider à réaliser ces défis. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, en a pour sa part appelé aux investissements dans les secteurs de la restauration de la paix à travers l'Afrique, devenu aujourd'hui le bastion du terrorisme, a-t-il souligné. Il n'y aura pas de développement de l'Afrique dotée des ressources naturelles gigantesques sans les efforts pour la pacification du continent, a indiqué en substance le président de la Commission de l'Union africaine, tout en saluant la coopération Turquie-Afrique dans différents autres domaines. Le troisième sommet de partenariat Turquie-Afrique a abouti à une feuille de route qui va approfondir les relations d'amitié et de coopération entre la Turquie et l'Afrique, a souligné le président Recep Tayyip. Il a remercié le président de l'Union africaine et le président de la Commission de l'Union africaine pour leur implication dans l'organisation du sommet et tous les autres invités pour leur brillante participation aux assises d'Istanbul. Oui.
Il a éclairé l'opinion sur la situation sécuritaire dans la ville province Kinshasa. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, répondait aux questions de notre confrère Jessica Basselé. Monsieur Punga n'est pas décédé parce que les policiers ont tiré sur lui. Monsieur Punga est décédé dans des conditions qui ont suivi son arrestation brutale. Nous avons tous suivi les images qui nous ont fort choqués. Le Premier ministre, chef du gouvernement, m'a donc demandé de faire des communications pour être en mesure de rassurer l'opinion que ces actes ne resteront pas impunis. Et c'est l'occasion d'abord de présenter toutes les condoléances du gouvernement à la famille touchée. Nous avons tous vu les images de la maman éplorée, son fils unique. C'est beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, et les gouvernements compatissent. Mais c'est aussi pour dire que la justice devra sévir très rapidement. Les auteurs de ces actes ont été appréhendés et dès demain, d'après les informations qui nous ont été transmises par la ministre d'État, ministre de la Justice, il y aura un procès en flagrance qui se fera pour que cela serve d'exemple, que ceux qui en uniforme l'oublient, ils doivent toujours avoir à l'esprit que le respect de droits humains est l'une des conditions primordiales dans l'engagement quand il s'agit d'intervenir. Même si la personne était intéressée, quel que soit son statut voleur ou je ne sais pas comment, mais le droit à la vie, le respect, la dignité doit être toujours de mise et des strictes applications. Alors là, vous parlez de Olivier Punga, mais il n'y a pas eu que Olivier Punga. Cette semaine, il y a également eu M. Jean-Marie Luzingu, qui a été caméraman chez Antenna, qui a été également fauché par la police congolaise. Je crois qu'il faut dissocier les deux événements qui sont tous malheureux. Pour le cas de Olivier Punga, ça s'est passé dans des circonstances que nous avons tous suivies. Les enquêtes, évidemment, viendront corroborer ce qui a été dit, parce qu'il y a déjà, j'en ai discuté longuement avec le commissaire divisionnaire de la police, le général Amouli, avec qui nous avons évidemment convenu de faire un certain nombre de choses, parce qu'il faut rappeler que la police est un corps le plus proche de la population qui est censé assurer la sécurité de biens et des personnes et surtout de veiller à la préservation en toutes circonstances de vies humaines. Pour ce qui concerne le caméraman de Antenne A, je crois qu'il y a eu une enquête aussi qui a été diligentée parce qu'il a été pris, d'après les premières informations, une balle perdue parce que la police intervenait pour, je crois, disperser des koulounas qui opèrent entre la commune de Bumbu et des Selembao. Je crois que, quel que soit, que ce soit pour le cas d'Olivier, que ce soit pour le cas du caméraman, il y a un besoin de nous assurer que la justice fasse son travail et que tous ceux qui se complaisent à s'écarter des règles d'engagement subissent la rigueur de la loi. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui la population a raison de s'inquiéter parce que cette police qui devait le protéger, cette police ne protège pas la population? Non, je crois qu'il y a police qui tue la population. Je crois qu'il y a toujours des cas forts, malheureusement, parce que la police fait partie de ce qu'on appelle les forces de l'ordre. Et quand les forces de l'ordre interviennent, très souvent, quand il y a la force, il peut y avoir de casse. Ce sont des innocents qui ont perdu leur vie face aux forces de l'ordre. Ici, il faut éviter une généralisation sur tout un corps, parce qu'il faut saluer la bravoure de notre police qui travaille dans des conditions qui sont difficiles. Et c'est même pour ça que la police elle-même a communiqué aujourd'hui de manière claire et sans embâge pour se distancer de tous ceux qui ont été à la base de cette situation que nous déplorons. Et je crois que de ce point de vue, la détermination du gouvernement est très claire. Justice doit être faite pour tous ceux qui subissent les écarts des hommes en uniforme, mais il faut aussi éviter cette forme de généralisation pour jeter l'anathème sur toutes nos forces de police qui abattent un travail très appréciable. Alors, Monsieur le ministre, ce soir, toute la population a été choquée d'apprendre que cette même police a tiré sur le ministre d'État, le ministre des ITPR. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, je crois que le ministre d'État effectuait une tournée parce que vous savez que dans le cadre du gouvernement, vous avez suivi le président de la République devant les deux chambres du Parlement.
Et donc, le gouvernement, nous sommes déterminés à apporter des résultats, impact visible pour nos populations. Et donc, le ministre des ITPR a profité de la journée du dimanche pour faire un travail de diligence sur terrain, de contrôle, de supervision du projet Chilegelu. Et c'est lorsqu'il est arrivé au niveau de Mbudiver Kintsuka, qui a eu ces incidents, évidemment, ils ont approché la concession et visiblement pris de panique. Le commissaire de la police qui a été affecté sur le site pour en assurer la sécurité a fait des tirs sans sommation, et des tirs, on dit des grenades, mais des grenades d'un type spécial, mais toujours est-il qu'il y a eu une vraie débandade et la sécurité du membre du gouvernement qui était sur place, pas seulement, des élus du peuple et de toute la population qui suivait cette activité avec engouement a été mise en danger. Au moment où je vous parle, il a été appréhendé par la police et lui aussi subira la justice de la loi parce qu'il est hors de question pour une quelconque raison que ce soit qu'on trouble l'ordre public. Qu'en est-il du bilan? Le ministre a été touché, ses collaborateurs Non, le ministre n'a pas été touché. Il y a eu, dans ces vents de débandade, il y a eu des blessés. Il y a un collègue, disons un député national qui a été blessé légèrement, mais globalement il n'y a pas eu mort d'homme, et que les enquêtes vont se poursuivre pour maintenant donner plus d'éclairage sur les circonstances de ce qui s'est passé. Mais l'essentiel ce soir c'est de dire que tous les compatriotes qui accompagnaient le ministre d'État, ministre des Infrastructures ainsi que lui-même sont en parfaite forme, que le responsable de l'acte de ce soir a été appréhendé et qui sera jugé. Alors on va terminer, mais on ne va pas terminer sans parler de l'arrestation de l'ancien, je ne sais pas s'il faudrait dire l'ancien ou le gouverneur réhabilité du Congo central, Atou Matubwana. Cette arrestation également qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux, c'est encore une fois les agents de l'ordre. Cette fois-là, il s'agit des agents de la police judiciaire de parquet. Et vous savez, M. Jesse Kabasele, ceci doit être très clair. Le respect de droits humains est non négociable, pour qui qu'il soit. Et donc, les images qui ont été montrées hier nous ont choqués. Et pas seulement choqués, mais les responsables qui ont été impliqués, eux aussi, ont déjà été appréhendés. Ils doivent en répondre. Mais je voudrais apporter la précision suivante, sans entrer dans les fonds du dossier. Le gouverneur Atou Matubwana est présumé innocent, mais être présumé innocent ne veut pas forcément dire qu'on est innocent, parce que le dossier judiciaire est totalement à dissocier avec les écarts qui ont été vus hier, l'humiliation qu'il a vécue pour nous au niveau du gouvernement, que ce soit un ancien gouverneur, que ce soit un Congolais lambda, il est hors de question. Et aucune circonstance ne peut justifier de tels actes. Cela doit être bien clair. Les derniers points sur ces sujets, parce que nous avons suivi des notabilités, notamment de sa province d'origine, le Congo central, faire des appels qui nous ont paru dangereuses. Parce que dans un pays comme la République démocratique du Congo, nous venons tous de quelque part, et qu'à chaque fois que si l'un d'entre nous a des soucis avec la justice ou doit donner des éléments pour éclairer la lanterne de la justice, cela ne devrait pas nous donner de prétexte pour faire des formes d'appel à la révolte ou au soulèvement. Ça, c'est une attitude que nous condamnons fortement, parce que nous tous, nous sommes solidaires d'Atou Matubwana, parce que ces droits ont été bafoués dans la manière dont les choses ont été faites, d'une part, mais que si la justice, pour de besoins d'enquête, a besoin de l'écouter, il faut que cela se fasse, ça que cela ne serve de ferment à une quelconque forme de discours avec des velléités, des replis tribalistes ou séparatistes. Le Congo n'en a pas besoin. Dans le changement de narratif que nous prenons, tout le monde doit faire conscience aux institutions. Une dernière question, monsieur le ministre, avant de vous laisser partir. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la population risque d'avoir peur face à la police, alors que cette police qui a pour mission de protéger la population et leurs biens aujourd'hui? C'est le sens de cette communication. Je crois qu'avec la police communiquera davantage. Ici, nous tenons à rassurer tous les Congolais, partout où ils nous trouvent, qui doivent continuer à faire confiance à la police. Et que malheureusement, cette semaine, nous avons eu une séquence des incidents,
c'est des choses qui peuvent arriver, mais ici, elles sont arrivées et elles seront sévèrement sanctionnées. Ceci donnera un message à tous les autres policiers que dorénavant, lorsqu'il s'agit de s'engager, il faut toujours qu'ils se rappellent les règles d'engagement pour être sûr que le droit humain est préservé. Voleur, pas voleur, autorité ou pas autorité, tout être humain mérite respect et considération. Je vais terminer en disant que toutes ces choses, lorsqu'elles arrivent, elles arrivent y compris pour nous donner aussi à nous tous des leçons. Et je pense que de cette expérience, notre police devra en tirer pour que dès demain, les agissements soient différents, pour que dès demain, elle recrée la confiance avec la population. C'est cela le plus important. Communication toujours, l'honorable Elvis Moutiri, président du comité scientifique des États généraux de la communication et médias, a présenté au ministre Patrick Muyaya les conclusions des travaux préparatoires de ces États généraux. Scientifique, j'ai l'honneur de vous remettre le produit du travail de 7 jours qui a été réalisé au centre catholique d'Ouganda. C'est une étape cruciale marquant la fin de travaux préparatoires aux États généraux de la communication et médias menés par le comité scientifique, aujourd'hui présenté au ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Remerciant le comité scientifique qui a mené ces travaux, le ministre Muyaya Katembwe a appelé tout le professionnel du métier à leur faire confiance afin de réformer le paysage audiovisuel, médiatique ainsi que la communication RDC. Je pense que dans le choix des différentes personnalités qui ont représenté la profession ici, les professionnels de médias ont confiance en eux aussi. Dans les travaux qui viennent, nous ne saurons peut-être pas réunir tous les journalistes que nous avons, mais au moins nous nous assurerons d'assurer une représentativité des journalistes congolais. Président du comité scientifique qui a amené ses travaux préparatoires, les députés Elvis Moutiri a à son tour remercié le ministre Muyaya qui a fait confiance aux hommes et femmes de médias qui ont accompagné l'audit comité. Elvis Moutiri a profité de l'occasion pour remercier le comité pour le travail de titan abattu pendant 6 jours ici à Kinshasa. Ce qui s'est passé, c'était le choc des idées. Et ce choc des idées vient de produire la lumière que nous venons de transmettre à son excellence, monsieur le ministre de la communication et médias. Et quitte à ce que ça devienne une vraie lumière à la conclusion des travaux des États généraux de la communication et médias. Les États généraux de la communication et médias seront un véritable cadre de nettoyage du secteur médiatique RD congolais, miné depuis plusieurs années par d'énormes problèmes. Pénurie d'eau dans la ville de Kananga au Kasaï oriental est due au manque d'énergie électrique. Eh bien, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwintemukaleng, s'est rendu sur place pour des solutions idoines. Mais auparavant, Olivier Mwintemukaleng avait visité l'usine de traitement d'eau potable. Joseph Oscar Mbalkaïch nous en parle dans ce reportage. C'est par la ville de Kananga que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwintemukaleng, a foulé les sols de la province du Kasaï central. Aussitôt arrivé, lui et toute sa délégation ont pris la direction de Katende, à plus ou moins 100 km du chef-lieu de cette province. Olivier Mwintemukaleng a été ovationné par la population qui voit par cette visite de travail une lueur d'espoir pour la reprise effective des travaux de construction du barrage de Katende après 5 années d'arrêt. Sur le site de Katende, justement, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a suivi les explications du coordonnateur du projet de Katende et Kakobola. Olivier Mwenze a visité les équipements qui ont connu l'usure du temps suite à ces temps d'arrêt. D'autres équipements, comme ces camions et tracteurs, ont carrément été sabotés pendant les phénomènes Kamouinansap. Il était question pour Olivier Mwenze de s'assurer de l'arrivée sur le site des milliers de tonnes de nouveaux équipements stockés dans ces conteneurs. Il nous reste encore plus de 3400 tonnes à la SNCC et 22 conteneurs à Connex Afrique. Il faut
90 wagons pour que tous les équipements soient ramenés sur site. Après cet état des lieux, il sera donc question pour le gouvernement congolais ainsi que les partenaires indiens d'entrevoir la reprise des travaux de construction de ces barrages qui aura une capacité installée de 104 MW une fois l'ouvrage terminé. Le président de la République, chef de l'État, il nous donne ses orientations et ce projet lui est cher. C'est pour ça qu'il est inscrit dans notre programme. Et nous venons justement pour faire une évaluation qui nous permettra de réaliser ce projet comme prévu. Pour les autorités provinciales, ces projets méritent une appropriation de la part de la population. La sécurisation des sites, ça c'est la première chose. Il faut sécuriser les sites. Il faut communiquer avec la base, donc la population du Baïa. Sous cette paillote du site de Katende, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Moinze Moukaleng, a reçu la totale adhésion des autorités traditionnelles qui ont accepté d'accompagner ces projets jusqu'au bout. Les travaux de construction du collecteur de drainage des eaux à Mbujimayi sont déjà à leur terme. Ouvrage qui pourra répondre à l'épineuse question des inondations récurrentes sur l'avenue Lusambo. Et l'entreprise Cruxet s'applique pour procéder à l'asphaltage des routes. Robert Ndaichi Sensei. Mbujimayi, dimanche 19 décembre 2021, avenue Lusambo dans la commune de la Kanchi. Les travaux de construction du plus grand collecteur de drainage des eaux, long de 1052 mètres, ont pris une vitesse de croisière. Pour les habitants, c'est vers la fin d'un long cauchemar qui dure depuis 61 ans. L'entreprise chinoise Grexet a déployé tout ce qu'elle a comme ingénieur pour offrir à la population du Kassai oriental un ouvrage de qualité qui restera gravé dans leur mémoire. Les travaux sur cette avenue, débaptisée avenue Fatih, consistent à la construction du mur de soutènement, la construction des glisières de descente des eaux et la construction du collecteur qui doivent déverser l'eau du bassin versant en provenance de l'aéroport de Bipemba vers la rivière de la Kanchi. Le problème des eaux est résolu parce que ça prend une bonne quantité d'eau qui provient de l'aéroport et qui va prendre ses collecteurs jusqu'un peu plus loin. Travaux exécutés dans les normes, comme le confirme l'ingénieur Louis Kanyuma de la mission de contrôle trouvée sur place. Les normes sont respectées, c'est la raison pour laquelle nous sommes là en tant que mission de contrôle pour faire respecter différentes règles. Les essais sont réalisés par l'office de route. Et il y a aussi d'autres éprouvettes ou bien d'autres échantillons qui sont envoyés à Kin pour les essais. Le directeur provincial de l'office de voirie et drainage qui veille au détail était lui aussi ce dimanche du 9 décembre 2021 sur le terrain. Trésor Kachala rassure que les travaux Chilegelou évoluent à pas de géant au Kassai oriental. La construction des caniveaux à Moëlon est dictée par plusieurs raisons. La topographie de la ville d'Mbujimayi est accidentée, le bassin versant est grand. Ajouté à cela, la disponibilité de Moëlon et des carrières. Les habitants de la ville d'Mbujimayi ne cachent pas leurs sentiments et remercient le président de la République pour ses projets salutaires. Nous les remercions, puisque comme on vient de canaliser tout ça, bon, ça nous fait la joie. Nous remercions le président de la République pour cette action. À Mbujimayi, les travaux d'assainissement sur l'avenue Odia David, Lumumba, boulevard Laurent-Désiré Kabila, rond-point Koïdro et Kassengoulou sont terminés, en attente que la couche de bitume. Sur la ville d'Mbujimayi et à Carence, pas de bitume, pas de barre de fer à cause de la grève qu'observent les agents de la SNCC. Tous félicitent le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le projet Chilegelou dans l'espace Grand Kassai. Trans Academia, un projet pour résoudre le problème de mobilité des étudiants. Le lancement officiel est prévu pour l'année académique prochaine. Confirmation du ministre de Transport et Voies de Communication, Chérubin Okende, aux étudiants lors d'un échange. Suzy Ngoy Chibui. Le projet Transacadémia, une initiative du président de la République pour résoudre les problèmes de mobilité des étudiants de la RDC, sera bel et bien lancé officiellement pour l'année académique prochaine. L'assurance a été donnée par le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement aux étudiants de Kinshasa. Chérubin Okendesenga s'est entretenu avec les présidents des coordinations étudiantines des universités et instituts supérieurs de Kinshasa. Nous avons parlé autour de la gestion durable de ces bus qui seront les nôtres. Et il nous a exhortés
de prendre conscience parce que le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi compte beaucoup sur la jeunesse. Et il était question pour nous en tant que leaders de relayer ces messages auprès de nos camarades étudiants pour que nous puissions gérer durablement ces bis. Et le message que nous lançons, c'est un message fort, que les camarades étudiants puissent prendre conscience lorsqu'il y aura des manifestations, lorsqu'il y aura des problèmes, que nous ne nous jetons pas sur ces bis-là. Parce que cela va de notre désavantage lorsque nous faisons des actes de vandalisme. Transacadémia sera une société à part entière comme les autres établissements publics tels que Transco. Mais Transacadémia aura comme particularité de ne transporter que les étudiants des établissements publics munis de leur carte biométrique. Au moins 600 bus seront mis à la disposition des étudiants de la RDC pour Transacadémia. La représentante de l'ONU Femmes en RDC arrivée fin mandat reçut les hommages de la Dynamic Women Leader Network. La cérémonie d'adieu à Awa Diaïsek a eu lieu en présence de quelques personnalités. Jeudi 16 décembre 2021, Awa Diaïsek, représentante de l'ONU Femmes en République démocratique du Congo, dont le mandat a pris fin, a été honorée par Halloween et Dinafec, deux structures coordonnées par Marie-Louise Mwangé pour les comptes d'African Leader Women Network et Karine Kankou pour la dynamique de femmes candidates. Une occasion de présenter des remerciements et de dire au revoir à Madame Awa Ndiaye qui, selon les organisateurs, est la partenaire efficace car elle ne ménage ni sa peine ni son énergie pour les épauler bénévolement. Marie-Louise Mwangé, coordonnatrice d'Halloween, a loué les efforts et sacrifices conjugués par Awa Ndiaïsek pour la promotion des femmes leaders en RDC. On nous a dit que c'était un homme qui venait. Nous lui demandons de marcher sur les pas de Mme Awa. Elle nous a beaucoup soutenus et aujourd'hui, vous entendez parler de Halloween qui signifie African Women's Leaders Network. Donc c'est un réseau de femmes leaders africaines. Karine Kankou, coordonnatrice de la DINAFEC, a vanté les vertus et qualités d'Awa Ndiaïsek, une femme pleine d'amour et d'attention. En tout cas, nous saluons sa lutte, sa détermination. Elle avait fait des problèmes des femmes congolaises, ces problèmes. Et nous sommes venus la célébrer. Nous sommes venus célébrer ses réalisations et l'encourager encore à continuer. Pour les femmes. Une surprise pendant la cérémonie, le 16 décembre, jour de l'anniversaire de naissance de Awa Ndiaïsek. Les femmes leaders lui ont remis des cadeaux dignes du travail abattu en République démocratique du Congo. Et terminons par ce culte d'action de grâce à l'occasion de la nomination du directeur général intérimaire de la radio-télévision nationale congolaise, Belide Mbunga. C'est un reportage de Rodé Panda. Dieu peut permettre l'élévation d'un homme païen pourvu que ce dernier lui obéisse dans la suite de sa vie et ses actions. Mais l'élévation d'un homme croyant en Dieu est une bénédiction divine qui se concrétise et abonde dans sa vie. C'est le cas du nouveau directeur général ad intérim de la radio-télévision nationale congolaise, Robert Belide Mbunga, un converti au Seigneur et déclaré enfant de Dieu, qui a été nommé le 15 décembre 2021. C'est dimanche 19 décembre. Quatrième dimanche de l'Avent, premier dimanche de la semaine de sa nomination, un vrai chrétien catholique, Belide Mbunga, n'a trouvé mieux et logique, lui et toute sa famille, que d'aller dire merci au Seigneur Dieu, maître de sa promotion et son élévation, pour laisser entre ses mains saintes toute son action professionnelle en tant que mandataire dans cet établissement public qui est la RTNC. C'était en l'église de sa paroisse locale, Marie-Mère de la Rédemption, dans la commune de Selimbao. L'officiant du jour, qui a partagé cette joie avec son fidèle et l'ensemble de la communauté, a, au cours de l'homélie, s'est plus appesanti sur les messages évangéliques consacrés à la visitation divine de Marie chez sa grande sœur Élisabeth, tiré du livre de Saint Luc, chapitre 1er, de 39e au 45e verset. L'humilité précède la gloire, l'obéissance est la clé du salut. Gratia et ses élicosana ont agi. C'est celle-là qui précède la gloire. Le curé de la paroisse a béni Dieu pour cette belle coïncidence qui fait l'honneur de l'un des fidèles de la communauté et a profité de l'occasion pour exhorter tout le monde à l'écoute et l'obéissance à Dieu, maître des temps.
et des circonstances. Terminons par ce message de félicitations adressé au président du conseil d'administration, directeur général adjoint de la Générale des carrières et des mines et à tous les membres du nouveau conseil d'administration. Monsieur le président du conseil d'administration, monsieur le directeur général, monsieur le directeur général adjoint et administrateur, c'est avec grande satisfaction que nous avons appris votre nomination par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au conseil d'administration de notre société mère, la Générale des carrières et des mines, GECAMINE SA. Ce choix porté sur votre personne par l'autorité suprême et le couronnement de la longue et fructueuse carrière que vous avez passée au sein de la société à laquelle vous avez sacrifié la grande partie de votre vie à cette occasion. Je vous présente au nom du personnel de la société congolaise pour le traitement du terril de Lubumbashi et en mon nom propre, mais très sincère, félicitations à vous-même et à tous les membres de votre comité de gestion. Que le Seigneur vous accorde la force et la détermination nécessaires pour mener à bien cette nouvelle tâche qui vous est confiée. C'est un communiqué signé le directeur général. Madame, Monsieur, c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur nos antennes. Au revoir.